Jésus-Christ, oui, personne ne peut dire non. Si Jésus-Christ te bénit, personne ne peut te maudire. Il est l'accord et il est l'accord. L'accord et il est. Et il est l'accord et il est. Oh, il est l'accord, il est l'accord. Esther est l'accord, il est l'accord. Nathalie est l'accord, il est l'accord. Et Pounoko est l'accord, il est l'accord. Maurice est l'accord, il est l'accord. Tantam Piesa est l'accord, il est l'accord. Alléluia. Nous allons parler ce matin d'un thème que tout le monde connaît. Certainement, tu l'as entendu parler au moins une fois de ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que ce que tu as entendu certainement. Amen. Je vais parler du corps de Christ. Amen. Beaucoup ont entendu parler du corps de Christ. Alléluia. Le corps de Christ, amen, c'est une comparaison de l'Église. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler du corps de Christ sans parler de l'Église. Maintenant, ma question est la suivante. C'est quoi le corps de Christ? C'est quoi l'Église? Amen. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on me suit? Nous savons quand on dit corps, Kofi, lève-toi, viens, mets-toi au milieu. Quand on dit corps, amen, vous allez voir, quand on parlera de corps, regarde le peuple, quand on... Enlève ton écharpe. Voilà. Sois gai, sois tranquille. Regardez. Voici Kofi, n'est-ce pas? Ce qui fait la force de Kofi, c'est toute sa personne. Et c'est toute sa personne qui compose le corps. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir que ce même corps sera subdivisé en plusieurs éléments. Gloire à Jésus. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Et vous allez voir que le premier élément visible de la vie de Kofi, c'est tout de suite la tête. Amen. On regardera, pour celui qui voudra de Kofi, va d'abord regarder son visage, donc sa tête. Et vous allez voir qu'ils vont conclure pour dire, sa tête, son visage va refléter le reste. Et même, on dira même, son visage ressemble à l'état de son cœur. Amen. Amen. Donc je disais que quand on regarde Kofi, la première des choses qui va vous frapper, c'est l'état de son visage. Amen.
Et l'état de son visage va refléter l'état de son cœur. C'est la façon dont les visages serrés, elles ne rigolent pas. Tu as eu une femme comme ça, là, tu es foutu. Parce qu'elle ne rigole pas. Amen. Donc, automatiquement, on va mettre un jugement sur la vie de Kofi en tant qu'être. Amen. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que le premier élément, c'est la tête. Ici. N'est-ce pas? Et après, vous avez la deuxième partie qui est le corps. Ou qui sont les membres du moins. Le corps, c'est tout l'ensemble. Où il y a la tête. Donc, la première chose qu'on verra, c'est la tête. Et après, nous verrons ce qui suit. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que l'église, amen, la Bible nous dit que la tête et les membres forment le corps. C'est bien ça. Et maintenant, je me pose la question, qui est la tête? Alléluia. Allons-y. Prends Éphésiens 1, verset 22. Reste à Éphésiens tout au long de l'enseignement. Je lis la parole de Dieu à Éphésiens 1, verset 22. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. C'est qui il? Vas-y, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps? Qui est son corps? Ah! À Éphésiens 1, verset 22 à 23 dit. Il a donné quoi? Vas-y. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps? Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tout. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous comprenons que l'église est le corps de Jésus et Jésus lui-même est la tête. Parce que c'est lui qui a donné à l'église la plénitude. Alléluia. Donc vous comprenez que lui étant la tête, quand il ordonne à la tête, du moins au corps ou aux membres, les membres feront ce que la tête veut. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Mais vous comprenez que dans cette optique-là, dans cette organisation de Dieu, Dieu remet en même temps le corps en action, mais une action vers une seule direction. Alors que quand vous voyez le membre, vous voyez le bras, vous voyez même la composition des doigts, les doigts sont différents. Mais quand la tête va ordonner, les doigts feront exactement ce que veut la tête. Amen. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Alléluia. Et vous allez voir que il y a un pied qui est plus grand que l'autre. Mais quand la tête donnera l'ordre, le pied fera exactement ce que la tête veut. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole que Jésus est la tête, n'est-ce pas? Amen. Et l'église est quoi? Le corps. Vous comprenez ce matin? Amen. Je suis en train de faire sortir. Quelqu'un vient à l'église tous les matins. Assieds-toi maintenant, Kofi. Aujourd'hui, là, tu n'es pas disposé. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Tous les matins, tous les dimanches, on dit on vient à l'église, mais on ne sait pas qui on est. Amen. 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 Donc, vous comprenez que quand ce que veut Jésus au travers de ta vie ou de ma vie, n'est pas mis en application, nous sommes en train de détruire Jésus. Est-ce que me comprend? Est-ce que me comprend? Tout à l'heure, on va voir plus loin. Jésus nous dit, allons à gauche. Nous devons tous aller à gauche. Il dit, allons à droite. Est-ce que quand il dit, allons à droite, quand la tête dit, allons à droite, là, est-ce que le bras reste? Donc, nous devons comprendre qu'il y a deux éléments qui composent le corps. Alléluia. Le premier élément, l'unité. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Va à gauche, je vais à gauche, mais mon bras ne reste pas. Mon pied ne reste pas. Il y a l'unité et il y a la diversité. Pourquoi?
tout à l'heure, je vous ai fait la démonstration du fait que quand vous prenez les cinq doigts, ils n'ont pas les mêmes tailles. Les deux pieds n'ont pas la même taille. Maintenant, quand on parlera de diversité, quand vous allez prendre Kofi et je vais prendre Papa Souan, vous voyez qu'il y a une différence. D'abord, de corpulence, deux. D'origine, trois. De teint. Vous voyez la différence, la diversité. Alléluia. Mais vous allez voir que quand on se rassemble finalement dans l'église qui est le corps du Christ, il n'y a plus de diversité. Nous devenons une seule personne. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu a révélé à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël, il y avait des éléments que Dieu, il y avait des révélations que Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël. D'abord à Moïse lui-même et ensuite au peuple d'Israël. Amen. Il a dit à Moïse, il dit, va, dis à celui-là, là. Je ne vais même pas dire son nom, mais on l'appelle un dîmé pharaon. Va lui dire de laisser partir mes enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pharaon a utilisé la ruse. Il dit, j'ai compris. Tel jour, je vais les faire partir. Le jour arrive, Pharaon, il s'est déjoué de ce qu'il avait dit. Il dit, d'accord. Il a oublié que je suis Dieu. C'est moi qui permets toutes choses. Alléluia! Il va donner une révélation à son conducteur, Moïse. Amen. Prends-moi Exode 8, Exode 12, verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau. Oui. D'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Regardez un peu. Pourquoi Dieu a dit ça? C'était pour révéler au peuple d'Israël la force de l'unité. L'autre n'a pas, parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter un agneau. À partir du moment où vous êtes dans l'église, quand tu as de quoi à pouvoir mieux te servir ou bien mieux manger, mieux vivre, et que tu vois l'autre qui n'a pas la possibilité de le faire, alléluia, ce que tu as, tu le partages avec ton voisin. Alléluia. Donc, Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël le sens de l'unité. Alléluia. Frère, nous avons perdu, l'église a perdu l'unité. L'église a perdu la fondation réelle, le fondement réel de l'église. Donc nous comprenons que quand nous ne sommes pas dans l'unité, ce n'est pas Jésus que nous cherchons. Quand chacun prend sa voix, l'autre prend l'autre voix, l'autre sort ici, nous ne sommes plus en train de chercher Jésus. Nous cherchons notre propre Jésus. C'est-à-dire que ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus de l'église. Alléluia. Quand tu regardes ton frère et tu lui fais certaines choses que tu ne devais même pas lui faire en tant qu'église, la Bible dit, tu es en train de sectionner Jésus encore en plusieurs morceaux. Alléluia. Nous allons rester dans 1 Corinthiens. Et du moins 1. On va rester dans Éphésiens. Alléluia. On va prendre Éphésiens. Prends avec moi. Éphésiens 2. Prends Éphésiens 2. Et nous allons lire le verset 14. Je lis la parole de Dieu à Éphésiens 2, verset 14. Oui. Car il est notre paix. Car il a notre paix. On parle de Jésus, oui. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Ah, la Bible dit, et qui a renversé le mur de séparation. Donc nous comprenons que notre unité est basée sur le fait que le mur de séparation est renversé. Amen. Ensuite, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Un seul
homme nouveau. En établissant la paix. En établissant la paix. Et de les réconcilier. Et de les réconcilier. L'un et l'autre. L'un et l'autre. Alléluia. Vous comprenez que Jésus, le fait de venir se revêtir de la chair, afin qu'il puisse être parmi nous, c'est pour nous aider à pouvoir sortir, à briser ce qu'on appelle la haine, la division, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Afin que nous soyons des hommes ou des femmes nouvelles, ou des hommes nouveaux. Alléluia. Et qu'avec lui, nous soyons réconciliés. Donc vous comprenez que ce mythe qu'il y avait avant, auparavant, avant l'arrivée de Jésus, il y avait un mur. N'est-ce pas? Donc lui, il arrive, il renverse le mur. Parce que vous allez comprendre que quand vous lirez dans Exode 11, vous comprenez que Dieu va demander au peuple d'Israël de prendre un agneau et de prendre le sang pour le mettre par-dessus la porte. Alléluia. En fait, que quand l'ange viendra pour frapper le peuple de Pharaon, l'ange verra le sang qui est là. Mais ce sang-là, est-ce qu'il peut éternellement suivre le peuple d'Israël? Je dirais non. Parce que c'est un sang qui va venir pour un temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans le sang d'avant, la situation d'avant, le comportement d'avant, c'était quelque chose qui était dans le temps. Et Dieu a tellement aimé le monde. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. En fait, que Jésus vienne pour renverser le mur de la séparation. Amen. Amen. Frère, avant, on était séparés. Chacun était dans son chacun. Pourquoi le peuple d'Israël est parti en captivité? Alléluia. Parce qu'on était séparés. Jacob avait vendu à cause de la nourriture. Il avait vendu ses entrailles. Sans le savoir. Et il a vendu à Pharaon. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés en Égypte. Maintenant Dieu vient pour rétablir la loi. En brisant toutes ses fondations. Le mur de la séparation. Il détruit tout ça. Et maintenant il dit, pour ceux qui viennent à moi, qui m'acceptent comme sauveur personnel, qu'est-ce que je fais d'eux? Il fait quoi d'eux? On devient de nouvelles personnes. Donc le mur de la séparation étant brisé, il n'y a plus de haine entre Kofi et ma fille Kwadio. Il n'y a plus de haine. Le mur est brisé. Il n'y a plus de jalousie. Le mur est brisé. Donc vous comprenez que quand nous sommes dans l'église, nous devons être dans l'unité. À partir du moment où Kwadio et Kofi sont ensemble, vous voyez qu'en eux, il y aura l'unité, ensuite la diversité. Et donc, cette diversité doit être pour l'église une richesse. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas une richesse. Alléluia. Frère, en temps normal, il y a des personnes que tu ne pouvais jamais connaître ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dira, oh, à 98%, c'est une église ivoirienne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais étant même ivoirienne, on se croise, on sait même, on ne se connaît pas. On se dépasse. Alors que, selon ce que Jésus est en train de nous expliquer, c'est que dans la vie de Maman Yao, il y a une bénédiction qui va pour la sœur Kwadio. Et la sœur Kwadio a une bénédiction qui va pour la Maman Zadi. Amen. Donc vous voyez que on se rend compte que dans leur vie, si bien qu'ils viennent du même pays, voici l'unité, mais dans leur vie, il y a une diversité d'opinions. Une diversité de bénédictions. Donc cette diversité de bénédictions doit être un avancement, doit être une aide, doit être une bénédiction pour l'église. Mais quand nous regardons ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pour cela que quand je vois des gens qui se lèvent et qui viennent à la table de la Sainte Seine, qui prennent la Sainte Seine, ils sont en train de se tuer à petit feu. On ne prend pas, on ne mange pas la Pâque. Comme ça. Gloire à Jésus. Celui qui doit manger la Pâque doit la mériter. Alléluia. On marche avec la division. On marche avec le tout cœur. Comment veux-tu manger la Pâque? Tu ne peux pas manger la Pâque.
Puisque tu es en train de subdiviser, dessiner le corps de Christ. Le corps de Christ est un. Il n'y a pas de tiré dans le corps de Christ. Alléluia. Il n'y a pas de pasteur dans le corps de Christ. Nous sommes une seule personne. Mais il y a une tête. La tête commande et les membres obéissent. C'est comme dans une maison. Dans la maison, il y a une autorité ou du moins il y a quelqu'un sur qui Dieu a établi l'autorité. L'autorité ordonne, le reste suit. Si tu sais que tu n'es pas prêt à écouter ce que dit la tête, frère, tu n'as pas encore compris le sens de l'église. Alléluia. On nous dit aujourd'hui, nos frères, oh ma soeur, quand on dit mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous liez? Qu'est-ce que vous liez? C'est le sang. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu appelles ma fille qui vient d'arriver, ah ça c'est ma soeur ça. Mais qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui prouve que vous êtes frère des saints? C'est le sang, non? Amen. Comprenez maintenant. Quand quelqu'un commence à dire mon demi-frère, c'est qu'il n'a pas compris. C'est que en lui là, il n'y a pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soit il est ton frère, soit elle est ta soeur. Point. Amen. Il faut commencer à comprendre que même dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui portent toujours, ça veut dire que eux, leur force est dans la division. Pour mettre la séparation. Alors que Dieu a dit qu'il a brisé le mur de la séparation. Et il nous a fait tous là, une seule personne. Alléluia. Sois bénie ma fille. Vous comprenez un peu? Donc comprenez que l'église n'a pas besoin en réalité d'être divisée. Non. On a le même père. On est tous ayant droit de Jésus. Cohérité avec Christ. On est tous des ayant droit. Mais si tu maltraites ton frère, et derrière tu dis, ah ça c'est mon frère. Oh non, c'est mon demi-frère, ouais. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé. La Bible dit, notre unité est basée sur le fait que Christ a renversé le mur de la séparation. On va prendre un deuxième point au verset 15. Notre unité est basée dans le corps de Christ. De 15. Lui au verset 15 seulement. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau, jusqu'au verset 15, ma fille. En établissant la paix. En établissant la paix. Et ce qui retient mon attention dans ce verset 15, c'est la paix. Est-ce que tu as la paix avec ton frère? Est-ce que l'église a la paix avec elle-même? Foubéry. Hypocrisie. Est-ce que l'église même a la paix avec elle-même? Alléluia. Médisance. Toujours en train de tchou. Est-ce que l'église même a la paix avec elle-même? Parce que la Bible me dit que c'est toi qui es l'église. C'est toi qui fais le corps de Christ. Mais en étant en train d'avoir double cœur, double position. Est-ce que tu es en train de te faire du bien ou bien tu fais du bien à quelqu'un qui est à côté? Non. Les gens n'ont pas compris qu'en faisant ça, en étant dans l'église et en le faisant, on s'envoie soi-même une bombe. Amen. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens terroriste, Al-Qaïda. Amen. Tu deviens Daesh. C'est-à-dire que tu prépares la chose, tu la mets là. Mais tu crois qu'en le faisant à Maman Yao ou bien au frère Seyo, tu crois que tu le fais au frère, mais non. Tu es en train de le faire pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais en le faisant pour Jésus, Jésus lui-même, il est déjà sécurisé. Donc en le faisant, il va la retourner vers toi. Elle explose sur toi. Quel que soit le temps, elle explosera. Même si elle prend du temps, mais elle explosera. Alléluia. Jusqu'à ce que tu comprennes que on ne joue pas quand on devient chrétien. Et quand on est dans la maison de Dieu, quand on se dit chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes dans l'unité. La Bible le dit. Bien aimé, soyez enseigné pour repousser ces choses-là. L'homme a vu ta grâce. Et quand il a vu ta grâce, il faut qu'il influence ta grâce. Alléluia.
il va t'influencer en fait que tu t'éloignes de ta grâce. Donc il va amener des paroles qui n'ont rien à voir avec l'église. Frère, aujourd'hui c'est un jour mémorable. Un jour glorieux. Alléluia. Et il y a deux ordonnances que Jésus a ordonnées à l'église. Le baptême et la Sainte-Cène. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte-Cène. Frère, est-ce que tu es sûr avec toi-même que ce qui est dans l'église, ce que toi-même tu es par rapport à l'identité réelle que je te prends ce matin, tu es l'église. Est-ce que tu sais réellement que, est-ce que tu penses réellement que tu es en conformité avec cela? Frère, nous allons à l'église, mais on ne voit pas l'importance réelle de l'église. Il y a une force, une grâce à l'église. Il y a une obéissance dans l'église. Il y a l'unité dans l'église. Nous venons de différents endroits, c'est vrai. Mais quand nous venons dans l'église, on forme une seule personne. Alléluia. Tout à l'heure, je vous disais que quand Dieu a dit à Moïse, il dit, va, dis aux enfants d'Israël de prendre un agneau, mais un agneau en bonne santé, et dis-leur, par rapport à cet agneau-là, il faut qu'ils prennent le sang de l'agneau et qu'ils mettent sur, par-dessus la porte, n'est-ce pas, afin que quand l'ange viendra pour détruire Pharaon et ses fils, on puisse simplement reconnaître, on puisse faire la différence entre les enfants d'Israël. Frère, vous voyez comment Dieu pense pour nous. Amen. Regardez un peu. Comment Dieu pouvait faire dans cette période-là où c'était une période cruciale où Pharaon vraiment battait de l'aile partout. Il faisait des choses, mais personne ne pouvait l'empêcher. Est-ce que Dieu est parti avec la force? Est-ce que Dieu a dit, je prends les chars d'Israël pour venir détruire Pharaon? Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité? Mais regardez la force de Dieu. C'est que je veux révéler à un enfant de Dieu. Amen. Les choses sont totalement spirituelles. Ils vont t'attaquer dans le physique, mais toi, défends-toi par le spirituel. Amen. Alléluia. Dieu dit, il dit, bon, j'ai compris. Hein. Ceux-là, ils veulent jouer avec mes nerfs. On va faire une chose. Prenez-moi un agneau. Amen. Prenez le sang et puis mettez-le par-dessus la porte. Gloire à Jésus. Regardez, la Bible dit, quand l'ange arrive et qu'il voit le sang, il passe. Amen. Frère, s'il n'y a pas la marque de Jésus sur toi, amen, les tribulations pourront venir. La sorcellerie pourra venir. Ça va rentrer en toi. Mais quand il y a la marque de Jésus sur toi, par le sang de l'agneau, à cause de l'unité et la diversité, personne ne peut te faire du mal. Pas moins beaucoup ont peur. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de ce qui est peut bloquer leur vie. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens réel de l'agneau pascal. Parce que Jésus a payé le prix déjà. Il ne peut pas avoir quelqu'un. Toi, en faisant l'œuvre de Dieu, en t'attachant à Christ, quelqu'un ne peut pas sortir de l'ordinaire pour te faire du mal. Nada. Il peut simplement venir toucher ta chair. Frère, mais vous allez voir, le simple fait de toucher à ta chair, vous allez voir le nombre de chérubins qui vont se lever contre lui. Frère, il y a une force dans le sang de Jésus. Il y a une autorité. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous comprenons que notre unité est basée aussi sur notre position d'égalité. N'est-ce pas? Notre position d'égalité devant la croix. Qu'est-ce qui fait la force de la croix? N'est-ce pas le sang? Amen. Lis au verset 16. Au verset 16. Oui. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, mm-hmm, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. En détruisant par elle l'inimitié. Frère,
Si nous soyons, nous, si nous sommes citoyens, n'est-ce pas, ayant une seule direction, nous sommes citoyens, n'est-ce pas, nous sommes de la même famille, n'est-ce pas, nous avons la même direction, n'est-ce pas, alléluia. La Bible dit ce matin que il n'y a rien, parce que Jésus a déjà détruit tout ce qui est inimitié. Tout ce qui peut t'empêcher, célibat, pour lequel on pleure, enfantement, alléluia. Jésus, par la croix, a déjà vaincu cela. Mais tout ce qu'il nous demande, que nous soyons citoyens communs. En nous serrant les uns contre les autres. Alléluia. Vous allez voir que il y a des vraies amitiés. Mais des amitiés basées sur l'amour qui sont fondées à l'église. Sur la sincérité. Sur le franc parler. Frère, si ton amour par rapport à un frère ou une sœur dans l'église n'est pas basé sur le franc-parler, il y a un problème. Alléluia. Si vous ne pouvez pas vous regarder comme ça en face, vous asseoir à la table et essayer de mettre les choses à plat, mais tout en regardant Jésus, parce que nous allons parler dans la politesse, tout en regardant Jésus, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Là, il faut commencer à douter de sa conversion. Commence à douter de son appel. Un enfant de Dieu qui a pour appui Jésus doit avoir une même direction avec son frère. Doit avoir la même langue avec son frère. Même il peut même arriver que dans nos désaccords, on peut trouver un accord. Alléluia. Vous comprenez que des fois, beaucoup ont tendance à juger certaines opinions. Mais quand on s'assoit et on parle, tu commences à comprendre ce que l'autre pensait réellement. Donc vous comprenez que la différence d'opinion, on arrive à se comprendre dans notre divergence par la communication, en ayant pour appui Jésus, regardant une seule direction. Frère, la Pâque c'était ça. Alléluia. La Pâque se mange. Et pour manger la Pâque, il faut avoir une communion d'esprit. Pour manger la Pâque, il faut avoir une même direction. Il faut avoir l'unité. Il faut avoir la paix. Mais est-ce que nous avons la paix aujourd'hui? Quand vous regardez l'église, vous vous rendez compte que le corps de Christ se subdivise tous les jours parce qu'il y a des intrus qui sont parmi nous qui cherchent à diviser le corps de Christ. Donc vous allez voir, Pierre va quitter ici, va aller chez Paul, qui est pasteur ou soit juste à côté. Amen. Il est venu ici, il va m'appeler Papa Zadi, il arrive de l'autre côté, il appelle Papa Zouzoua. Amen. On voit, on sent. On vit la division du corps de Christ. Amen. Frère, tant que tu es dans la vérité avec Jésus, amen, hein. Tant que tu es dans la vérité avec Jésus, tant que tu fais son service, comme la parole nous le demande, comme lui-même veut que nous le fassions, frère, l'église ne sera jamais détruite. Amen. Alléluia. Je suis en train de faire comprendre à un enfant de Dieu. Les gens peuvent te haïr. Les gens peuvent te détester. Mais tant que tu es en harmonie avec ton Père, dans ce qu'il veut que tu fasses, ta vie ne sera jamais détruite. Alléluia! Il faut simplement écouter la tête. Que dit la tête? La tête dit quoi? La tête te dit, va tout droit. Ma frère, ma soeur, mon frère, va tout droit. N'est pas une autre direction. Dès lors, tu prends une autre direction, tu es dans la désobéissance. N'est-ce pas? Et quand tu es dans la désobéissance, les grâces de Dieu se détournent de toi. Alors que tu es impotent, c'est parce que tu es là que je suis pasteur. Je ne suis rien sans toi. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, c'est toi qui fais ma force. Quand je dis ma force, c'est parce que tu es là que je prêche l'évangile. Je ne vais pas prêcher l'évangile devant les tables vides. Amen.
Donc, tant que nous sommes en harmonie, tant que tu es en harmonie avec la maison de Dieu et que tu fais les choses selon Dieu, Dieu, tu seras une source de bénédiction. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Amen. C'est cela. Parce que quand tu écoutes la tête, la paix est en toi. Frère, quand tu as la crainte de Dieu et que tu respectes ses commandements, Dieu fait en sorte que ta vie soit toujours protégée. Ne crains rien. Toi qui as peur, toi qui as... Tu crains la sorcellerie, mais il n'y a rien dans la sorcellerie. Elle ne peut rien te faire. Tant que Christ est avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur un peu? Amen. Nous allons lire au verset 19. Que nous dit la parole? Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, oui, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Regardez. Reprends pour ma fille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Bien-aimé, un enfant qui est de la maison de Dieu ne détruit pas la maison de Dieu. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es de la maison de Dieu, est-ce que tu peux la détruire? Frère, prenons vous-même votre vie. N'est-ce pas? Est-ce que toi-même, tu peux t'empoisonner? Répondez-moi. Tu prends le poison, puis tu mets dans ta bouche. La Bible dit, tu es maintenant, comment, tu es quoi? Vous n'êtes plus des étrangers. Tu n'es plus étranger. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la valeur de concitoyen des saints? Alléluia. Ensuite, gens de la maison de Dieu. En temps normal, vu que tu es gens de la maison de Dieu, je peux même te laisser les clés de chez moi pour dire que je pars en voyage. Amen. Je ne crains rien. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Je peux te confier ma femme est partie. Est-ce que je crains quelque chose? Là, j'entends des gens rire. Je dis, je peux te confier, ma femme est plus partie. Alléluia. Je peux te confier mon argent et puis aller faire tout. Alléluia. Ma fille Nado, c'est ça non? Je peux te confier mon argent. Je ne crée rien. C'est ça. Parce que nous sommes tous concitoyens des saints. Donc il y a la sainteté qui est en nous. Il n'y a pas de fourberie, non, rien. Il n'y a pas de duplicité, non, rien. Bon, voici mes 1000 euros. Garde-les, le jour où j'en aurai besoin, tu me donnes. Mais à peine j'ai reçu les 1000 euros, je commence à lever déjà 100 euros. Et puis le cas qui trace, c'est quoi? Oh, comme le moment a fini, j'ai remplacé. Amen, c'est ça, non? Maintenant, dans le fait de remplacer, on t'apprend qu'il y a un décès. Remplacement que tu devais faire, tu ne peux plus remplacer. Et quand tu arrives maintenant, tu dis non. Quand la personne te donne un rendez-vous pour venir prendre son argent, ça veut dire que tu n'as jamais le temps. C'est ça, non? Et toi qui as pris son argent, c'est toi qui fais parler à la personne. Il demande son argent, tu l'insultes bien comme il faut. Frère, est-ce que là tu es chrétien? Est-ce que tu es gens de la maison? Amen. Ça dit que ma fille Marie-Josée devait être gardienne de Gisèle. Gisèle devait être gardienne de Marie-Josée. C'est ça, non? C'est ça l'église. Mais aujourd'hui, là, Kofi n'a qu'à venir dire quelque chose à Marie-Josée. Marie-Josée va plus s'asseoir auprès de Gisèle. Amen. Elle va se déplacer. Amen. Ce que l'église ne fait pas aussi, quand Kofi se lève pour venir te dire de Marie-Josée, c'est que Marie-Josée a fait. Pourquoi Marie-Josée, toi, tu ne peux pas dire,
Tu ne peux pas dire à Kofi, mais Kofi, pourquoi tu viens me voir? Marie-José, en toi, Dieu a dit, le mur est brisé. Le mur est renversé. Va la voir directement. Ah, ça. Tu l'enterres. Alléluia. Parce que en fait, ce que l'autre fait, c'est ce qu'on appelle chez les militaires, il fait quoi? La diversion. Il veut attendre Marie-Josée ou bien il veut atteindre Gisèle. Au lieu de venir voir Gisèle directement pour l'atteindre. Mais il faut que tous ceux qui sont autour de Gisèle là soient d'abord contaminés. Pour la mauvaise cause de Marie-Josée, de Gisèle. N'est-ce pas? Donc comme c'est Marie-Josée qui est souvent proche de Gisèle, l'esprit va descendre dans Marie-Josée. Et puis quand ils sont assis, maintenant c'est le coude. La guerre des voisins. Dès qu'elle se lève, elle commence par le haut jusqu'à un descend. Amen. On est dans l'église. On est dans l'église. Alléluia. Frère, la Bible dit que tu es le corps de Christ. N'est-ce pas? Si donc tu es le corps de Christ, c'est que Christ a de grâce, tu l'as. Automatiquement. Et ici, on nous rappelle encore, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes quoi? Concitoyens. Regardez, ils ont mis quoi? Concitoyens. Au lieu de mettre citoyens, il y a déjà un qui était là. Donc nous devenons maintenant concitoyens. Amen. Les concitoyens de quoi? Des saints. Des saints. Qui ici là? Si on ouvre les cœurs, on va voir. Est-ce que ton cœur là est vraiment saint? Amen. Frère, nous devons prêcher la sanctification. Il faut prêcher la vérité. Bien-aimé, ça guérit, ça aide. Ça va te sauver. Gloire à Jésus! La vie que vous menez, c'est exactement la même chose. Tu es avec un homme qui te fatigue. Tu es avec une femme qui te fatigue. Fais-le à soi. Permettez la communication. Ne protégez rien. Ne cachez rien. Vous détruisez vos foyers. Alléluia. Quand tu as compris cet enseignement, dans ta maison, ton mari et toi, vous formez une seule personne. Si bien qu'il vient, qu'il est venu avec son éducation. Alléluia. Donc vous comprenez qu'il y a une divergence. Il y a une diversité. Mais c'est de la communication. Vous mettez à plat les choses et vous allez voir que la maison aura une seule direction. Alléluia. C'est exactement la même chose. Que ce soit à l'église, à la maison, que ce soit dans ton lieu de travail, il y a une tête qui dirige les choses. Et tu ne peux que suivre la tête. Quand bien même des fois, on n'est pas d'accord. Ou ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais on peut les présenter avec beaucoup d'intelligence. Ce matin, Dieu voulait communiquer à l'église par la Pâque, l'unité, la diversité, l'obéissance, la puissance du sang. La puissance du sang t'a donné à être concitoyen des saints. Tu as peur de quoi? Il n'y a aucune sorcellerie qui peut se lever sur un enfant de Dieu. Aucune. Quand la sorcellerie commence à se détruire, commence à interroger ton cœur. C'est que dans ton cœur, il y a des éléments de l'hypocrisie. Il y a des éléments de tout ce qui est envie, tout ce qui est jalousie. Ils sont en toi. Orgueil, ils sont assis en toi. Tant que ces choses sont en toi, il y a des situations de sorceliers qui vont t'abattre. Sinon, un enfant de Dieu, quelle que soit la force du sorcier, quelle que soit la force de l'ennemi, il ne peut rien faire. Rien! Je vous le dis. Je l'ai vécu moi-même et je sais de quoi je parle. Alléluia! Bien-aimé, sois un concitoyen des saints, sois quelqu'un de la maison. Un enfant de Dieu a une maison. Tu n'es pas errant, non.
On dit, où est Saint Jean-Luc? Il est à l'église Bethesda. Saint Jean-Luc ne peut pas se diviser en 10. Tantôt il est à Bethesda, tantôt il est à Bethany, tantôt il est partout, tantôt il est joli. Non! Un enfant de la maison est assis à sa place. Et il écoute les conseils de son père. Et quand il reçoit les conseils de son père, il les met en pratique. Et vous allez voir, c'est un enfant qui sera toujours béni. Alléluia. Alléluia. Frère, ta bénédiction dépend de toi. Elle dépend de toi. Est-ce que tu veux être béni ce matin? Est-ce que tu veux être béni ce matin? Est-ce que tu veux être béni ce matin? Est-ce que tu veux être vraiment béni ce matin? Bien-aimé en rouge, lève-toi un peu. Maman en rouge, lève-toi. Tu vois, voici quelqu'un que Dieu, avant même que tu ne viennes, depuis le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà prédestiné reine. Tu n'es pas quelqu'un qui doit suivre. C'est toi qu'on doit suivre. Dieu t'a fait énormément de choses. Énormément de grâce. Énormément de grâce. Énormément de grâce. Énormément. Alléluia. Tu es quelqu'un sur qui Dieu a porté son étoile pour illuminer ta famille. La méchanceté, la jalousie t'ont fait perdre beaucoup de temps. Mais Dieu, comme ce qu'il a dit, il le fait toujours. Dieu, sa main est infiniment sur toi. Même si il y a 2 minutes de souffrance, ne t'inquiète pas, me dit l'Esprit de Dieu. Il dit, ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce qui est sur toi est trop fort. Il y a une étoile très brillante, très forte. L'homme essaie de la détruire, mais il n'arrive pas. Essayer l'empoisonnement, mais il n'arrive pas. Ils ont même mandaté un homme pour coucher avec toi. Afin que ta vie connaisse un blocage. Mais ils n'ont pas réussi. Tout a été mis au devant de toi, mais ils n'ont pas réussi. Parce que Jésus, il dit, j'en ai que faire de son péché. Mais ce qui m'importe, c'est ce que moi, Jésus, j'ai mis sur elle. Tu es une véritable source de bénédiction. Attrape Jésus avec tes deux mains, avec tes deux pieds, tout ton corps. Attrape-le parce qu'il t'aime trop. Son amour est fort autour de toi. Cette grâce qu'il a posée en toi, il n'y a personne sur cette terre, sous la terre, qui peut se lever contre toi. Quand tu arrives quelque part, tout le monde te regarde. C'est toi sur qui se portent les décisions. C'est à toi qu'on demande à ce que tu suives, tu décides. Tu orientes les choses. Quand tu n'es pas au devant de quelque chose, ça ne marche pas. Dieu t'a appelé pour ça. Pour régner. Il dit, dis-lui, elle est ma reine. Je t'en prie, reviens au premier amour qui est Jésus. Reviens. Reviens à cet amour véritable qui est Jésus. Parce que lui, à chaque fois que tu vas dans un endroit, que une situation négative doit t'arriver, il t'enlève de là. Il te fait changer de route. Et des fois, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais finalement, tu dis, bon, je ne vais plus. Et tu es nul. Jésus est avec toi. Il t'a choisi. Alléluia. Tant que Dieu est dans la vie de quelqu'un, personne
peut dire le contraire. Personne ne peut l'empêcher. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Ce cantique est pour toi, servant de Dieu. Il est Dieu. Ce chant est pour toi. Jésus n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas couler. Mais il a dit une seule chose. Il dit allons de l'autre bord. Mais les hommes ont retardé ta vie. Les échecs ont retardé ta vie. Alors que Jésus a une main ferme pour toi. Il dit, viens, allons de l'autre bord. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu aies chaud. J'ai besoin de toi afin que nous allions ensemble de l'autre bord. Afin que tu sois une étoile, une source de bénédiction. Oui. Dieu est sur toi. Cette gloire est tellement sur toi. Sa vie a beaucoup été retardée. Et quand elle s'en a rendu compte, oh, beaucoup de choses se sont passées autour d'elle. Mais Dieu est avec toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je ne te quitte pas. Je ne te lâche pas. Je suis avec toi. Parce qu'il est Dieu. Regarde, mais avant de créer l'entreprise, viens me voir. Viens me voir. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un cercueil. Tu vois le cercueil? Et le cercueil, c'est une femme qui est là, qui a une canne. Et quand elle oriente la canne, tout ce que tu avais comme grâce, tout ce que tu avais comme bénédiction, tout cela sort de tes mains et ça touche, ça balaie tout ton argent et ça rentre dans ce caveau-là. Alléluia. Il y a eu trop d'échecs, n'est-ce pas? Tu as beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Parce que tu aimes l'homme, n'est-ce pas? À cause de la bonté de ton cœur. On a commencé à te minimiser, on a commencé à te détruire. On a commencé à arracher de ta vie toutes les choses précieuses. On a commencé et à chaque fois, c'était un recommencement. Tous les jours, tu recommençais les choses à zéro. Alors que Dieu t'a béni d'une intelligence tellement forte. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Oh, Jésus, amène-moi en eau profonde, Seigneur. Ce matin, sauve tes enfants. Hello. Oh, Jésus. Mais le temps est venu pour que ta vie soit restaurée. Hé, frère, tu es allé dans des endroits où il ne faut pas aller. Tu es allé voir les marabouts. Tu es allé voir des femmes qui te donnaient des choses que tu ne veux pas mettre sur toi. Alléluia. Et une mauvaise alliance s'est tissée. Depuis lors, l'ennemi a commencé à regarder tous tes faits et gestes. Partout où tu posais le pas, il savait. Toi, tu croyais que tu dormais, mais ta maison était un nid de la sorcellerie. Oh, Jésus. Hé! Ta maison était un nid de la sorcellerie. On te volait tout. Tu avais une femme, c'était la mésentente. Tu n'as rien compris. Les disputes, tes enfants parlent, on ne comprend rien. Tu leur parles, ils ne veulent rien entendre, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de ta faute non plus. Mais l'esprit est assis dans ta vie, dans ta maison. Pourquoi pas ignorance? Tu as été voir des gens qui ne fallait pas voir. Alors, hey, prenez son nom. Il faut que j'aille chez lui. Jésus, allons. Il y a un combat à aller faire chez toi. Sinon, tout ce que tu vas faire, allons. Même si on te donne des millions,
Les millions seront envenus. Donne-moi du sept. Donne-moi du sept. Libère-le. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le mur de la séparation est détruit et enlevé par Dieu. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Remplis de ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?